Tu n'oublies pas de leur dire que c'est la route qui est belle. Oui, la route qui est belle. Je m'appelle Fabrice Céleste. Je suis scénariste, script doctor et formateur en scénario. Et je suis au port dans le cadre d'un atelier d'écriture que j'anime avec 12 auteurs réunionnais pleins de talents et qui ont besoin d'une aide afin de démarrer en fait l'ébauche de leur projet. Quel est l'intérêt d'une histoire ? Aucun. Aucun intérêt. Donc là, tu as un concept. Maintenant, il faut en mesurer la potentialité pour voir comment, sur un plan dramaturgique, ça peut être efficace. Chaque jour, on aborde une étape de scénario. On en aborde trois pendant le stage. Qui sont le pitch littéraire, c'est-à-dire l'ADN du projet, la substantifique moelle du projet. Ensuite, le personnage, la création du personnage, et on va aborder la structure narrative. On ne peut pas se lancer dans l'écriture d'un scénario si on n'en a pas fait les fondations, si on n'a pas véritablement défini son personnage, défini l'objectif du personnage et les obstacles. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de scénario. Parce que sans conflit, il n'y a pas de dramatisation. Si tu te débrouilles pour faire en sorte qu'on ne comprenne pas qu'elle va se suicider, mais qu'elle va rejoindre l'être aimé, c'est de se dire, est-ce qu'elle va y aller, est-ce qu'elle ne va pas y aller? Est-ce qu'elle va avoir le courage de sauter le pas ou pas, tu vois? Ça leur permet aussi d'aiguiser, d'affiner non seulement leur propre projet, mais également leur propre analyse. Et ça, c'est extraordinaire, parce que finalement, c'est pas forcément à l'école qu'on apprend mieux le scénario, c'est en regardant des films, c'est ce que j'ai tendance à dire. Regarder des films avec un stylo, en analysant, en les étudiant, en les disséquant, et là, c'est le travail qu'ils font au quotidien pendant une semaine. Alors, parfois, ils ont besoin d'un tuteur pour être canalisés, parfois le propos n'est pas maîtrisé. L'objet du stage, c'est justement de les aider à pouvoir maîtriser leurs propos et de les aider à pouvoir faire en sorte de raconter une histoire qui soit à la fois cohérente, mais également qui, sur un plan dramaturgique, soit captivante, intéressante. Non, en fait, ce qu'elle veut, c'est rejoindre son amour. D'accord. Mais comme son amour est mort... Est mort, voilà. Mais on comprend à la fin, donc son objectif, c'est de rejoindre son amoureux. Mais le twist, en fait, c'est suicide. Il y a un truc dont on parle souvent en scénario, c'est l'identification. La plupart des films français parlent d'un ailleurs, de la métropole, mais nous dans tout ça. Et du coup, le fait que ce soit nous qui prenions un petit peu les rênes de films... C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Il est vrai que ce qui se dégage aussi un peu, c'est on va dire le rapport au mystique. Il y a quelque chose qui se dégage peut-être un peu plus ici que dans les autres ateliers. Parce que bon, la Réunion, on est chargé, on vit là-dedans, on baigne là-dedans, dans le mystique, d'une certaine façon. Avec toutes ces religions, les gratteurs tibois, les services CAF, les services Matbor, enfin bon, on baigne là-dedans, on baigne dans le mysticisme, dans le mystique. Donc, je dirais que peut-être que c'est ce qui se dégage le plus des projets. Oi, ne ba fra fina bere ma conona, desani.